les enfants, vous êtes trop gentils. C'est votre tour. Et si tu te dépêchais un peu, grand-père? T'as l'air d'être un petit peu à plat. J'ai réussi. Qu'est-ce qui se passe d'un coup? T'as peur d'un peu de boue? Non, juste de me balancer au-dessus avec un petit bout de corde. Je sais. Oh, je sors des sentiers battus. Oh, Dieu. Excellent, les sujets approchent de la colline. D'où vient ce vent? Oh, ben j'en sais rien, c'est super énervant. Merci. Oh, c'est une sacrée rafale, hein? Un peu trop violente, je dirais. C'est vraiment bizarre. Ce vent est venu de nulle part. J'espère que grand-père va bien. Encore eux? Oh non! Ils doivent s'émerveiller du miracle d'une chenille qui mange une feuille. Oh, salut! Vous désirez vous joindre à nous pour trouver un nouveau foyer pour ce puceron laineux orphelin? Non, merci, ça va aller. Fantastique! Au fait, vous vous en sortez bien pour un homme de votre âge. Allons-y, les enfants, c'est l'heure de s'y remettre. Je vais passer de l'autre côté et te montrer mon âge, puceron laineux orphelin. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il fait plus froid? Qu'est-ce que c'est? Temps bizarre, tentative de camouflage minable, je crois savoir qui est derrière tout ça. Oui, bien sûr. Je vais rester à l'amplificateur assez longtemps, quand est-ce que ce sera mon tour? Il a raison, on n'a même pas encore fait d'éclair. Je viens de commencer, je n'arrive pas à me concentrer avec tous vos gémissements. Qu'est-ce que tu viens de dire? Désolé de vous interrompre, les météorologues, mais votre petite fête est terminée. On ne peut pas dire que ce soit une fête, il n'y a vraiment pas assez de ballons. Silence, s'il vous plaît, vous devez reprendre la course. Pourquoi? Pour que vous nous anéantissiez avec un rayon mortel? Ce n'est pas un rayon mortel, c'est un orbe d'amplification conçu pour étendre le rayon de nos pouvoirs. Alors c'est quoi tous ces moniteurs et ces sinistres boutons rouges? Nous ne faisons que recueillir des données sur les émotions humaines dans le but de mieux comprendre leur utilité. La course est conçue pour susciter le maximum d'émotions chez les participants. Et j'adore les boutons rouges. Pourquoi avez-vous besoin de données sur les émotions? Aussi faible et humain que ça puisse paraître, nous avons déduit que nos missions précédentes ont échoué en raison de notre manque de compréhension émotionnelle. Une chose banale pour les humains, mais un obstacle bien au-delà de nos capacités. Waouh, c'est plutôt poignant. Je pense qu'elle n'avait pas fini de parler. Tu crois? Je n'arrive jamais à savoir.